Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors, parler d'avenir, nous y arrivons pour la fin, monsieur Samuel Saddir. Vous intéressez aux problématiques de numérisation et vous avez aussi développé un point de vue. C'est une des pistes, on va dire, des futurs moteurs de croissance pour l'économie algérienne. Pourquoi ? Parce qu'on est, on subit un gap, il va falloir faire un rattrapage. Juste une chose, hein, je pense que le numérique, moi j'appelle ça le digital, pourquoi ? Dans le contexte algérien, parce que numérique, souvent chez nous, c'est numériser les documents et ouvrir un site. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du digital pour qu'il n'y ait pas, pour que les concepts soient clairs. Voilà. Donc si je parle du digital, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Aujourd'hui, au niveau mondial, 30% des investissements nouveaux vont sur ce secteur. Les relais de croissance au niveau international sont le numérique d'une façon très large. Deuxièmement, vous voulez que demain nous allons avoir besoin des investisseurs étrangers. On en a déjà eu besoin et on en a besoin. Hein. Si vous n'êtes pas un pays qui est connecté, ça leur pose des problèmes dans leur gestion, dans leur processus de fabrication et dans différentes choses. Nous ne voyons pas encore ça. Et ce que je dis, c'est une nécessité. L'économie de la connaissance, c'est un des autres noms qu'on donne à ça. C'est une, je dirais, quelque chose de fondamental. C'est pas un pays qui est connecté. J'ai envie de vous dire, en Chine, on ne peut pas accéder à Google. Pourtant, les investisseurs vont en Chine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le jour où vous aurez un marché d'1,5 milliard, on rediscutera de cette question. Très bien. Alors, Madame Derdouri, la ministre des TIC, vient de nous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Elle nous dit que la certification électronique par laquelle le commerce électronique et toutes sortes d'opérations liées au digital peuvent se produire ne peut devenir effective en Algérie que dans 2 ans. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir que la loi sur les télécoms date de 2002 en Algérie. Le cadre législatif date de 2002. Il n'a pas été changé. Vous voyez le rythme, je veux dire, de développement de l'innovation dans ce secteur. 2002, c'est la préhistoire. La solution technique, elle peut se faire demain. Si vous posez tous les problèmes de paiement électronique, tout, vous posez une question qui n'est pas une question technique, du moins en termes de télécom, mais vous posez la question de la banque centrale et de la capacité, d'une certaine façon, du contrôle de ça. On sait très bien aujourd'hui que tout ce qui est de paiement technique, le premier pays au monde, si vous permettez, dans ça, qui est le système M-Pensa, c'est au Kenya. Okay. Donc vous voyez, parfois l'Afrique peut être en avance. Mais on sait aujourd'hui que ça pose toujours des problèmes avec la banque centrale. La Banque centrale, c'est aussi un poids d'inertie. Pendant 20 ans à la Banque centrale, on a refusé le paiement des services. Parce qu'on a une idéologie qui reste une idéologie par certains aspects très, je dirais, très marxiste. Les assets ne sont que matériels. Or, on rentre dans une économie de l'immatériel. Donc il y a un problème, je dirais, de souveraineté dans cette question-là. Et tant que les administrations n'ont pas trouvé, et les pouvoirs politiques n'ont pas trouvé un consensus, on annoncera ça pour demain. Monsieur, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce domaine en Algérie. Il y a une semaine, on a l'autorité de régulation qui nous a annoncé qu'il y avait 8 millions d'abonnés, disons, à la 3G, alors qu'on s'attendait au maximum à 3 millions. C'est une énorme surprise pour tout le monde. Enfin, bon, peut-être pas pour les opérateurs, mais en tout cas pour tous les observateurs. Donc, comment vous interprétez-vous le fait que qu'il y ait cette explosion de la 3G en Algérie, ça veut dire quoi pour vous? Comment? Et d'abord, je me dis qu'il y avait que des mauvaises nouvelles, sinon le sujet serait clos. Deuxièmement, c'est parce qu'effectivement je veux que ça marche plus vite et mieux pour nous. Vous savez, si on devait se satisfaire de ce qu'on a, la vie ne vaudrait plus le coup. Hein. Et donc il faut toujours avancer. Ce que vous me parlez de la 3G, et la 3G je dirais, c'est, puisqu'on parlait du numérique, c'est le support essentiel. La véritable révolution numérique, c'est pas à l'ordinateur, c'est le mobile. C'est le mobile. Je vais vous donner des chiffres qui sont assez effarants. 7% du PIB de la Côte d'Ivoire est fait à travers les mobiles. 15% du PIB du Mali est fait à travers le mobile. Ça veut dire qu'entre les pays développés, qui développent, eux, des applicatifs, de la technicité et autres, nous avons à l'autre bout les pays africains qui ont dans leurs usages développés, ils ont sauté une génération, ils sont dans cette modernité, et nous,
on est dans un no man's land, en regardant ici et là-bas, mais en n'étant ni ici ni là-bas. Or, le monde qui arrive, et je me rectifie, les gens disent le monde va changer. Moi, je dis non, le monde a déjà changé. Il faut juste en avoir conscience. Et vous me parliez, si vous permettez, des secteurs sur lesquels le numérique doit avoir, j'anticipe peut-être votre question, sur lesquels il doit se développer. Je dirais bien évidemment, d'abord, ce qu'on appelle communément l'e-government. Je vais vous donner deux exemples. On parle de la corruption. OK. Si, demain, vous décidez que l'impôt sur les sociétés, à partir, là aussi il faut être réaliste, à partir d'un chiffre d'affaires d'une taille d'entreprise, il ne se fait que par paiement électronique. Vous n'avez plus la relation humaine qui permet la corruption. Ni passive, voilà. Vous avez quelque chose qui est clair. Je vous donne cet exemple. Sur l'efficacité des politiques, si vous arrivez avec ce qu'on appelle communément le big data, c'est des mots, mais on nage. Big data veut dire beaucoup d'informations pour faire vite. Tout simplement. Si nous arrivions effectivement à avoir une évaluation en temps réel de ça, on peut rectifier les choses en termes de politique. Et je peux vous donner des exemples sur les transports, sur différentes choses. Je citerai aussi, par exemple, dans l'enseignement. L'enseignement, je vous donne un exemple très clair. Okay. Nous avons tous connu, ou du moins certains d'entre nous qui ont un certain âge. Pardon ? L'enseignement à distance ? Il n'y a pas que ça. Moi, j'étais à la télé lorsqu'on a monté l'UFC. L'UFC, c'est quoi ? L'UFC, c'est le buzz, donc la diffusion à la télé pour tous les Algériens qui voulaient suivre. Ça a été un succès foudroyant. Aujourd'hui, vous faites la même chose avec le net. Vous divisez les coûts par 20 et vous arrivez à apporter chez les gens, et vous me direz que les gens ne sont pas tous équipés, il n'y a aucun souci. Vous décidez dans chaque village de dire le vendredi. Monsieur Ossédier, pourquoi on a pris autant de retard sur ce volet qui est aussi important ? Parce qu'il y a eu des contraintes sécuritaires aussi. Il y a eu une tentation du régime algérien à se protéger sur son flanc sécuritaire à la sortie des années 90 en n'allant pas sur un territoire open. Écoutez, c'est une des données, effectivement. Les années 90, je vous ferai remarquer que ça date depuis 15 ans. Donc, le temps passe. Nous sommes... On n'a pas de GPS, par exemple. Tout à fait, mais pour des raisons militaires et autres. Mais il y a un certain moment, je veux dire, vous ne pouvez pas rester confit dans votre jus. L'Algérie, pour citer un auteur français, Mauriac, c'est le temps immobile. Quand on a arrêté le temps, on ne peut pas fonctionner ainsi. Le monde bouge. Nous avons bougé. L'Algérie des années 90, ce n'est plus l'Algérie de 2015. Pour le meilleur et pour le pire. Il faut que nous soyons de notre temps vis-à-vis des nôtres et vis-à-vis du monde, parce que demain, nous allons basculer dans ce monde qui avance en temps réel. Monsieur Ossédier, on va terminer cette émission par là. On l'a commencé. Quand vous tenez ce discours-là, qui vous écoute en Algérie ? Écoutez, ça, je... que vous dire ? Moi, je le tiens parce que j'ai à cœur l'avenir de mon pays, d'abord, premièrement. Si je peux contribuer au débat, très modestement, je le fais. Mais d'une certaine façon, nous prenons date sur ces faits-là. Parce qu'il faut, un certain moment, que la parole soit posée sur des choses. Il faut le dire. Pourquoi ? Parce que demain, les générations qui vont arriver vont nous poser des... nous demander des comptes, pardon. Maintenant, moi, Maranish Al-Qarar, je ne fais pas partie des décideurs politiques, ok, ni économiques. Je pose mes idées au débat dans la cité. Monsieur Samir Sedir, merci beaucoup d'avoir été l'invité du directeur.